Hey, salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Repas Universal S4 avec Brouda, Fardarin et le Seigneur Noir. Et ne ratez pas le bêtisier après le générique. Ça va salut tout le monde ? Salut tout le monde. Ce bêtisier va être magnifique, de toute beauté. c'est un tout petit cours, j'ai un petit truc à vous montrer, hein, comme dans l'épisode précédent. On en verra un peu plus. Allez. C'est parti. Ouais. J'avais fait mon mastacord. Ouais, yep. Je redéclare la guerre à la Moscovie. Je renvoie un mec en Moscovie, puisque tu m'invites pas dans ta guerre avec la Moscovie. Oui. Donc il faut que je fasse moi-même mes casus belli maintenant, voilà. Il faut que tu fasses ta propre guerre. Non, mais je... Un grand garçon, fais tes guerres. Maintenant, tu gagneras plus en l'attaquant tout seul comme un grand. Non, mais normalement, le concept, c'est que les gens me payent pour que je vienne taper. Oui, mais là, non. J'ai plus besoin de toi. Pour... Attends, je précise. Les gens me payent pour que le Suédois vienne taper. Excusez-moi. Soyons précis. Non, puisque vous parlez de paye, on va quand même faire une petite paye. Pour le portugais, pour sa gentille marine, et pour le danois. Merci. Oh, ça va, t'inquiète. Hein. Bon, en attendant, je stack wipe comme un slag. Non, mais t'inquiète, bon, bah, écoute, c'est quelques. Je rembourse mon emprunt alors, c'est gentil de ta part. C'est pour les 5 ans supplémentaires de guerre. Oui, parce qu'avec le sans le Portugal, cette guerre risque d'être un tout petit peu plus longue que prévu, donc au final. On peut descendre encore là. On peut descendre encore. Parce que quand même, ça fait 2 ans pile poil qu'on l'a commencé. Hein. Ouais, perte de 2131 ducats. Et moi, des paysans. Oh là et moi, je viens de gagner. Et au moment où tu dis ça, j'ai un event pour m'en donner 640. Dans le Saint-Empire, les paysans se soulèvent contre leurs nobles. Oui, mais moi, je suis pas dans le Saint-Empire, bordel. Allez vous faire foutre. Ah, mais t'as des territoires du Saint-Empire. Ouais, mais. Ils appartiraient bah, si. Bonne idée, si. Hein. Ah, alors, il y en a pas. Ah oui, non, je suis en guerre, donc je peux pas les retirer. Allez, si, t'en restes un, t'as Drumbourg qui est dans le Saint-Empire. Eh ben voilà, petit malin. Ouais, mais moi, j'ai des provinces dans le Saint-Empire aussi, et j'ai pas eu des ventes, donc... Chacun son event. Ne soyez pas jaloux les uns des autres. Alors, on avance. Bon, je termine en bas, et je vais pouvoir commencer à remonter. En attendant, on tabasse les bateaux. De toute façon, le Mamelouk il est en haut à droite là. Le Suédois est parti défoncer des 40 000 Mamelouks. C'est vrai. Ah oh, putain. Il est pas sortable quoi. Le mec, tu lui dis sois agressif, il déconne pas quoi. Et en plus, ils le Mamelouk. Fait 40 000, on fait quoi? Bah, t'y vas, ok. En plus, le Mamelouk il s'enfuit quoi. Ok. C'était une blague. Ok. Ah la vache. Et c'est pareil, hein, mine de rien, Vergen avec ses 4000 hommes, il fait le taf. Hein. Bah oui, il fait des petits sièges, tac tac tac, un petit coup par-ci. Puis il est malin, tu vois, il prend pas les sièges à côté des forts, donc c'est pas des trucs qui vont partir juste le lendemain. Ah, le même look tente de contre-attaquer la Suède, attention. Il va se faire défoncer par le Suédois. Pour l'instant, ça balance quand même. Hein. Le Suédois, il manque un peu de général. Là. Il a des hommes de qualité, mais je suis pas sûr qu'ils tiennent. Hein. Ouais, je sais pas, hein. Ah, il y a encore 8000 hommes qui arrivent. Ça mérite que j'y aille juste derrière. Ouais. Résou. Il a cédé malheureusement. Bon. Il a cédé, mais du coup, j'envoie 40 000 hommes pour faire la deuxième couche. C'est l'après-rasage. C'est clair, par là, contre, le fort va peut-être tomber avant. Toc. Toc. Bon, comment ça se passe là-bas? Alors, est-ce que quand t'auras fini, tu pourras te répandre dans l'Arabie? Ah, le français, l'anglais, il a pris ça aussi. Dans l'anglais, il va falloir que je retourne le finir. Hein. En Arabie, ouais, mais faut que je remonte. Donc, il va me falloir un petit peu de temps. Mais oui. Pas comme s'il y avait le choix. Oh non, pas deux d'inflation. Oh non, je déteste ça, l'inflation. Mais d'ailleurs, on en est où, là? Ouais. Alors regarde, je vais mettre 48 000 hommes à côté de ces 35 000 et on va se regarder sans bouger. Premier qui bouge est mort. Il n'ose pas bouger. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas, le Suédois il revient, il va y aller. Ouais, je le laisse faire l'entame. Bon, j'ai deux forts qui sont sur le point de tomber.
notamment la cible de guerre. J'aimerais bien. Bon, on va commencer à remonter. Hop. C'est quoi tout ça, là ? Fin des conflits religieux au Lunebourg. Mais qu'est-ce que tu fais, Jo ? Je t'ai demandé de sélectionner ses troupes. Tu sélectionnes ses troupes et tu te bouges. Alors, hop là, une colonie. Allez, ça arrive pour le 23 mars. Ça, c'est fini. 3, 2, 1, c'est parti. J'y vais premier. Je compte sur ton suédois pour passer juste derrière. Chaque province novgorienne voit son habitation en minute de 2. Il vient pas, le saleté. Oh, il m'a abandonné. Mais si, rien n'y vient. Le sac de hub. 5% de professionnalisme. Il faut que je donne des sous. Tu rigoles, quoi. Je peux pas donner des sous. Tu rêves. Tout ça pour du professionnalisme qui sert à rien. Allez, le suédois, il va poursuivre le même look. On a gagné. On a gagné. Ah ouais, on a gagné. C'est moi qui ai gagné, je suis le plus fort. En fait, j'ai jamais regardé, mais j'avais pas d'autres monopoles à mettre, moi. Mais si, complètement. Moi, j'ai plein de monopoles à enlever. Ah non, j'en ai plus. Tout enlevé. Ouais, non, mais à la base, je pouvais en mettre qu'un seul, et j'ai pas regardé depuis le début de la partie. Donc, je maintiens une armée à 148, dont 92 de dépassement. Du coup, je me fais plus que 50 de solde positif. Ça va. C'est honteux. Ça va. La coalition est partie, hein, d'ailleurs. Ils sont tous tirés. Hein. Alors, je fais péter tous mes points militaires, quitte à me mettre en retard technologique, pour deux raisons. D'abord, c'est pas ma techno-militaire qui compte quand j'embauche des rebelles ou quand j'embauche des mercenaires. Je vais vous le montrer ici. Chaque troupe de mercenaires a sa propre technologie. Par exemple, celle-là, elle est 9. Celle-là, elle est 11. Donc, à vous d'embaucher les troupes de mercenaires avec des bonnes technologies. Peu importe ma technologie militaire, c'est pas la mienne qui compte. Et deuxièmement, quand je fais péter les forts, je gagne du temps sur la guerre. Et le temps, bah, c'est de l'argent. Donc, voilà. Ça se justifie à soi-même comme explication, je pense. Bah, venant de toi, oui. Effectivement. Alors, il est parti dans le sud. Faut que tu sois prudent. Ouais, c'est pour ça que je me suis pas trop séparé. J'ai envoyé quelques péons en bas, mais pas trop non plus. Bah, dès que dit schmack pète, je te mets un filet de sécurité, mais pour l'instant, tu n'as pas de filet de sécurité. Bah, il y a quand même 23 000 Vénitiens. Où ça? Ah oui, en bas, oui. Sur Yombu Albar. Ouais. Excuse-moi. Je savais pas que j'avais des gens là-bas. Ah oui, je me doute. Pas tout savoir en même temps. Mais pourtant, ils sont bien là. Pour l'instant, parce que... Ils vont peut-être se faire wipe quand on va attaquer, là. Hop là. Je garde un œil dessus. Je vois que tu me files des sièges au fur et à mesure. Ça t'embête ? Pas vraiment, non. Tiens, je peux gagner un 2 stab. Je vais le faire. Merci pour la stab, Parlement. Ils sont plus utiles comme ça, les nobles. Par contre, ouais, pas le choix, là. Quoi ? Pourquoi je voudrais 269 ducats ? Et si je veux pas d'argent ? Tu me le donnes. Ah, si. Si la COA contre le français pouvait péter. Voilà. Elle pètera pas. Tu serais entraîné dans la guerre parce qu'il me semble que t'es allié à lui. Certes. Ouais, c'est pour ça qu'elle pète pas. Actuellement, il est protégé par moi, par le teuton. Alors, il y a les mêmes looks. J'ai lancé l'assaut là. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Il y a les mêmes looks qui se stack petit à petit là. Moi, j'ai fini ma guerre contre le Moscovite, je l'ai coupé en 1, 2, 3. T'es prêt à lui sauter dessus ? 3, 2, 1. Allez, on le chope. Ah bah non, faut faire le tour. Ah si, t'as réussi à le choper. Bien joué. Y'a du monde quand même. Ah, ils ont feinté, ils en ont mis 8000 à côté. Ouh bah, ils sont même carrément plus nombreux. Ah merde. Il y a deux fois 8000, 4000 hommes. Enfin, pour l'instant, il vient pas donc.
Il est pas très serein, mais il y a quand même du monde. Non, bah, tu vois, il a, okay. Il a lâché l'affaire. Bon, bah, je vais sur le fort. Ouais, je peux pas les choper. Reste là. Ouais, non, mais j'essayais de voir si je pouvais pas choper des mecs, mais non, malheureusement, pas moyen. À cause du fort, on est obligé de faire des vieux détours de merde. Bah, il reste plus que. Il y a un fort à 49%, quand il pète, j'aurai l'accès. Par contre, il y a des rebelles sur la capitale, va falloir que j'aille les dégommer. Je suis pas un commandant avec un peu de manœuvre là. Ah, on a tombé de Clipsy ? C'est quoi ça ? Ah, c'est là-haut. Tiens, viens, toi. On fait 12 000 hommes de libre. 44%, c'est long. Non, ça passe pas. Siège de Dishmak. Ah, Dishmak est tombé. Du coup, j'envoie 35 000 en bas à droite. En... Oh, bah tiens. Oh, bah oui, il est en train de repasser par Jouf. Oui, bah moi aussi, tiens, ça tombe bien, on va se croiser. Je te laisse te mettre à Jabal Shamar, explore un peu derrière Jabal dans le désert là maintenant. Parce que c'est 20 000 hommes, je pense que c'est quasiment tout ce qu'il a. Il a 25 000, donc tu peux tranquillement y aller. Tessef. Pas la peine de me rejoindre, hein. Ah, j'ai tombé un siège. Ouh, ça picote. Capture du vaisseau amiral de Mamelouk. Ouhou. Sérieux ? Ouais. Une nef primitive. Ouais. Avec pas rien en fait. C'est juste un bateau comme ça. C'est un vaisseau amiral qui amiralise pas trop quoi en fait. C'est ça, c'est un vaisseau amiral qui a un pavillon dessus et c'est tout. Ok, moi je déplace ma troupe sans prendre des sièges, hein. je vais le plus loin possible. Ouais, bah je suis en train de marcher pareil dans le désert, mais c'est long donc. Voilà, je pense qu'on va être bon, hein. Ça va monter vite maintenant. Bon, moi je vais aller attaquer l'anglais. Monsieur. Ouais. Monsieur l'anglais, c'est ça. Je te laisse les territoires en Angleterre, je vais juste prendre les trucs des Caraïbes. Toujours en trêve, moi, avec lui ? Oui. Ouais. C'est pour ça que je vais l'attaquer maintenant. Je vois. La trêve avec la Moscovie a expiré. Mon banquier est à nouveau disponible. Moi, je l'ai bien aimé, ton banquier. Il m'a permis de rembourser 2 de mes 5 emprunts. Mais quand même, quoi, 2100 balles. Ouais. Devrait pas y avoir le droit. Devrait pas y avoir le droit. Je t'aurais bien soutenu financièrement, mais là je suis vraiment ric-rac. Ah, t'inquiète. T'es une sale théocratie de merde. Mais c'est pas pour ça que je t'envoie pas de sous. Je suis un ordre croisé. Je ne suis pas une théocratie de merde, voyons. Pardon. Oh, le Ming m'a rivalisé. Oui. Ça y est, t'as vu. Ça y est, tu t'approches. Bon, le Mamelouk, là, on l'a fait l'appel, là. C'est vrai que ça avance pas vite, là, malin. Les vieux territoires de merde à conquérir, là. Alors, attends. Excommunié. Il y a 9000 hommes en bas, là. Du côté du... Le Portugal n'est plus excommunié. Est-ce que tu peux me donner la territoire qui est après Béja? Je t'ai tout donné, en là. Bas. Je vois rien. Près de l'Éthiopie. Ah oui, le nom du... Pardon, excuse-moi. C'est le Shendi. S-H-E-N-D-Y. C'est bon, suivant. Soba, S-O-B-A. C'est bon. Jésiré, J-E-Z-I-R-E. Merci, suivant. Ensuite, Walula, W-A-Y. Walula, très bien. Et après, c'est elle quelque chose, c'est elle ça obéit, ouais. Et c'est bien le dernier. C'est le dernier. Parfait. Ok, 97%, 109 sur 206. Bon, encore un petit peu d'effort à faire. Ouais, il est en train de remettre ses troupes en bas, là, sous ton... Nickel. C'est très bien. Duck. Duck. Visiblement, il est pas serein de lancer l'assaut.
T'as rompu l'alliance avec moi, Portugal. J'ai rien fait, ça s'est fait automatiquement. Ah, cool. Bah, faut un peu que vous entreteniez quand même de temps en temps. En plein pendant la guerre. Je sais pas ce qui s'est passé pour que... Bah voyons. Moi je suis à plus 184 avec le Danemark et je veux encore augmenter ça, j'aimerais bien être à plus 200. Je pense que la rupture d'alliance c'est dû au fait que t'as pas participé à la guerre. Ah oui, t'as passé trop longtemps sans rien faire dans la guerre, donc le jeu dit, bah écoute, prout. Le jeu a considéré que tu m'avais trahi. Ce qui n'est pas tout à fait faux. On peut pas lui retirer ça. Oui. Et je peux même pas te proposer l'alliance. Je suis en guerre. Non, c'est parce qu'ils me disent que j'ai une relation avec toi de moins de 98. En même temps, il y a eu plein d'événements où on... Ambassadeur corrompu, tu m'aurais pas piqué un... Non, mais c'est pas ça, mais j'ai eu plein d'événements où j'avais le droit de prendre des sous, mais à condition que je me tape un petit moins 30 de relation avec toi. Mais j'ai dû cliquer une dizaine de fois dessus. Alors c'est possible qu'on s'entende plus aussi bien qu'avant. Pourquoi il recule comme ça, là? Où il va? Petit mamelouk. Oh, les particularistes qui posent pas là sous ta tronche. Oui, ouah, même pas mal. Mais ils ont popé sur tous les forts en haut, par contre, dont l'objectif de guerre, je crois. Exact. Hop là. 97% il te faut. Non, il ne faut pas 97%. Enfin oui, j'ai 87, mais là on est à 133 sur 147 pour l'acceptation. On a sacrément monté. Oui, donc il va claquer, quoi. Là, dans 2 mois, c'est bon. Le Suédois s'occupe des... particularistes. À lui tout seul, merci, quoi. Merci, tu feras c'est l'autre clair. Aussi à 25 000. Bon, bah moi, du politique coup, j'en profite, hein. Remarquable. Cassie. Ouais. 134, 142. Et je balance un assaut sur des troupes. Donc une fois la paix faite. Je suis impérialiste. J'ai un 3-0-4 avec agitation dans le pays plus 2. Le suivant c'est un 1-1-2, merveilleux. Ouais, moi faut que je le dégage lui. Ah bon, dirigeant de merde. Bataille est finie, 134 sur 141. On me propose des ducats. Ah non, on me propose de me prendre des ducats. Bah non, je refuse. J'aime bien avoir le choix. Hop là. Bon, il serait peut-être temps que la forteresse tombe quand même. J'ai été trahi par les Suédois. Quoi? J'ai attaqué le particulariste tout seul avec 12 000 hommes. Il est même pas venu m'aider. Je pensais qu'il irait en premier. Mais il est hyper loin. Là, il vient t'aider, mais oui, il est hyper loin. Je pensais quand même. Remarque, avec 6 000 contre 21 000, je gagne. Que je désactive le cheat code. Ah! T'as fait la paix? C'est la paix! On va faire une petite pause de 30 secondes pour gérer tout ça. On va supprimer quelques centaines de milliers d'hommes. Alors, nous faut qu'on se replie pour réembarquer, pour repartir. Parce qu'on a une guerre contre le français. Voilà. Ah non, il y a le portugais qui est là. Qu'est-ce qu'il faut avec un drapeau noir chez moi, l'anglais, là? Qu'est-ce que tu lui as Alors, fait? Alors, je vais aussi. Tout de suite relâcher des territoires. T'étais en guerre, t'as fait la paix, donc ça lui a foutu un drapeau noir ici chez toi. Ah, mais j'étais pas du tout en guerre contre lui. Non, mais moi je l'étais. Donc, j'étais dans la même guerre avec ah, toi. Ah oui, t'étais dans la même guerre que nous, ouais. Oui, donc ça comptait comme s'il y avait un oui, droit de c'est passage. Ah, vrai que t'étais dans la guerre avec nous. Ah, bah je t'ai pas vu. Non. Alors là, t'as bien fait de me le rappeler, tiens. Un temps, hein. Je relâche Trébizonde et je relâche la Syrie, hein. Ouais, la Syrie. Hop. Trébizonde. Oui, pour pouvoir demander à Trébizonde, qui est orthodoxe, de changer de religion. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qui va me faire gagner le truc de. Il faut accepter. Il est déjà catholique. Quelle religion? Il est catholique. Putain, il a pété. Avec converti. Bah j'ai même pas vérifié avant. Non, je convertis rien. Ah non, il est orthodoxe. Enfin, la province est orthodoxe, mais bon. Et il a pété catholique.
Ouais. Non. Tant pis pour toi. Je te ferai les bords. Saleté. Bah du coup, c'est à la Syrie que je vais imposer la religion. Il va le prendre mal, mais bon, quand je lui donnerai des terres. Voilà. Zou. Donc, on va légitimer tout ce qu'on peut. C'est fait. On va supprimer l'énervement de tout le monde. Regardez-moi ce petit portugais qui fait son malin, là. Ah ouais? Il a bien raison de faire le malin tant qu'il peut. Je pourrais toujours, non mais oh. Moi je prends Cuba. Pas. Accès militaire avec l'Autriche? Pourquoi il m'en... Merde. Ensuite j'ai quoi? Alliance, notre vassal, notre vassal. Des fanatiques catholiques, ouais. Tu m'as... Il y a quelque chose que tu m'as pas dit, Suède? Pourquoi t'as des fanatiques catholiques qui se soulèvent chez toi, quoi? Sérieux. Chez moi? Non, la Suède. La Suède? Il est pas net, ce mec. Ah, ils prennent cher, les bateaux, là. Faut qu'on se tire. Un rapport sur le Nouveau Monde. Très bien. Merde, on a des attritions à 50%. Hop là, donc normalement je gagne plus de points de splendeur maintenant. Voilà, 5. Faut atteindre les 800 rapidement. Allez, embarquez les gars. Combien j'ai d'emprunt maintenant? 2 emprunts, ça va aller vite. Hop là, ici, on va rajouter tout le monde. En Éthiopie, on va rajouter tout le monde. En Golfe d'Aden. On va rajouter tout le monde. Ouais, je comprends pourquoi mes généraux ils sont tout voisis. La tradition terrestre n'est plus qu'à 50. Est-ce que t'es prêt, Brodav, pour attaquer le pape ou pas? Ego. Non, pas du tout. J'ai ma guerre contre l'anglais à finir. Ouais. Il essaie de me piquer mes colonies carabéïnes. C'est les miennes. J'étais le premier, alors là. Et je suis arrivé avant toi. Les premiers seront les derniers. T'as même pas été foutu de faire en sorte que le Brésil n'ait pas de colonies, quoi. Alors, franchement. C'est fait exprès? Ah non, mais c'est fait exprès, les colonies castillanes. Mais il risque de les perdre, en plus. Alors attends, je me pose 2 secondes. Il est en guerre contre Tupinambas et ça se passe pas bien pour lui, apparemment. Moi je vais mettre pause parce que je crois que je peux faire ma paix. Non, j'ai pas de. Alors attends, faut que je laisse courir un peu, que je récupère un diplomate. Pareil. Et dans un an, Naples sera intégré et je pourrai relâcher Naples et attaquer Aragon et Castille. Alors attendez, est-ce que tu me donnerais pas un petit droit de mouillage s'il te plaît, Slan? Parce que combien tu veux me payer? Mes bateaux ils sont dans le mal là. J'espère que tu me payes cher. Tu peux mouiller chez moi si tu veux. Ouais, mais c'est plus proche. Non, c'est... il va crever avec ses bateaux là. Alors, on a. Mais vous avez pas bientôt fini avec toutes ces pauses? Bah. Pas moi. Oh. Pour une fois que c'est toi qui dis ça. T'en as fait plein toi aussi. Non, généralement j'essaie de faire mes trucs sans faire la pause. Alors. L'épais, c'est. Faut faire attention quand même. Il n'y a pas de delayer qui pourrait m'intéresser, a priori non. Et renoncer à l'intimité, non. Je pourrais lui faire accorder l'indépendance à un pays. Ouais, mettre fin à la rivalité. Normalement, j'ai et un à l'alliance. Sacré casus belli de reconquête. Avec la Syrie maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 provinces que je peux prendre au Mamelouk en reconquête. Alors, piller sa capitale. C'est méchant. Je mets en vitesse 1 et je relâche la pause, Boudav, t'es d'accord? C'est bon, moi c'est fait. Ah bah alors tu pouvais relâcher. Oui, j'aurais pu relâcher, oui. Donc à faire. En vitesse 2. Ça y est. Merveilleux. On a Casbili contre le Portugal, mais qu'est-ce que t'as fait? Prendre Porto Rico. Bah. Je lui ai pris ses colonies.
Ouais, mais j'avais pas de casus belli là-bas. Ah, mais si, j'avais que mes... avec mon event sûrement. N'empêche que tu m'as trahi. Déjà une nouvelle réforme gouvernementale. T'as exigé. Et toi, tu peux pas envoyer. Ah non, c'est qu'on tu l'avait pas. Tu peux pas envoyer une offre d'alliance, Slan. Non, je t'aime pas. Oh, tu m'aimes pas. Ouais. Attends. Vous ne vous aimez pas, il va falloir utiliser des diplomates là, y a pas le choix. Ça y est, c'est fait, c'est en cours. Ah mais moi mon diplomate, ça fait un moment qu'il lui lèche les fesses hein. Ouais mais si lécher les fesses on s'en fout, ce qu'il faut c'est corrompre hein. Tu veux que ça monte vite. Envoie des dons, ça va monter plus vite. C'est cela oui. Mais voyons. C'est quoi ça, car sold food? Ah c'est là-bas, j'ai pas fait de. Voilà. C'est en Perse où j'ai pas fait mes. Ben oui. C'est parti. Un petit colon de plus. Pas se priver. Ben voyons. On a un danois colon là. Du surtout. Ah, conflit religieux à Strasbourg, le protestantisme et la réforme, ça doit y aller. Ça convertit, ça convertit. Faut que je fasse des casubis sur tout le monde. On t'entend pas très bien, Ardarin. Ouais. Ah non. Ah là c'est mieux. Ça va mieux, ouais, ça va mieux. Ok. J'ai peut-être mis un coup dans le micro à cause de mon énervement de tout à l'heure. Ah, il veut 732 du cas où je perds un de stab. Bah tiens, prends le point de stab. Hein. L'autre il me réclame... Et je fais que 200 par mois, il me réclame 3 mois et demi. Il est sous de moi. Oui, bah oui. Moi tu sais, quand il m'a demandé 2000 balles, je suis qu'à 10 par mois. Hein. Oui mais toi t'aimes pas l'argent autant que moi, c'est pas pareil, tu le ressens pas comme moi. Ah si si, j'adore l'argent. C'est pas aussi sensible. Non, non. Tu sais pas à quel point je l'aime. Moi je l'aime au point que quand on m'en retire 2000, ça me fait chier quand même. Et bah moi c'est quand on m'en retire 10 que je pleure. Oui mais là je me suis mis en PLS, je me suis roulé en boule et j'ai pleuré quoi. 2000 balles. Dire, je t'aurais envoyé une proposition de prêt. N'hésitez pas si vous avez besoin d'emprunt hein, à me demander. Je vous ferai des taux tout à fait raisonnables. Pour toi, en oui. En dessous du prix du marché. Pour toi, oui. Non, non, en dessous du prix du marché. Vous me dites combien vous payez. Moi, je vous ferai pas du 5%. Je peux vous faire du 2,5% voire 3%. Trop sympa, si le mec. Ouais. Par mois. On peut plus faire d'atelier, bon, on peut plus construire de bâtiments dans les charts, c'est... Allez hop. La vie c'est plus que ça. Moi je commence à retirer les privilèges à mes ordres. Hein. Allez détends-toi. Là yeah. Oh, ça a été c'est un peu tôt mais bon. Moi j'ai retiré des ordres tout court. Hop, on enlève le droit de mouillage, c'est plus utile. Si on avait des cachets. Tac. Ça te fera 2 de moins par mois, Slan, hein, je te préviens. C'est vrai? Ah oui, je suis retombé à 194. Merde. Pas y piquer quelques cartes si. Bon, la Castille a bientôt fini d'intégrer Naples. Hein. Excellent, mais on n'est toujours pas allié. L'état pontifico est devenu contrôleur, youpi. Je devais Il va te refaire excommunie bientôt. Ouais. Ah, mais t'as même pris les Antilles. Hein. Il prend tout. Il est portugais. Tiens, je t'ai envoyé une offre d'alliance. Refusé. T'avais qu'à pas commencer. Ah, faut que j'arrête de maintenir là. Allez, je maintiens trop de trucs. Qu'est-ce que je vais attaquer là maintenant? Bah j'ai plus que la Perse, les mains. Ah non, j'ai tout le bas là, allez hop. On fonce en bas. Il y a tous les petits Africains d'Éthiopie à civiliser. Je peux pas encore voir le cas. Carrément. T'oses me réclamer 451 alors que je t'ai payé 500 pour une gare à rien foutre. C'est vraiment pas cher. J'ai des points de faveur, tu pourras me. Mais tes points de faveur, combien de points de faveur tu me dois déjà? C'est pas 400?
Hein? Je vais aller regarder ça. Combien tu me dois de points de faveur? À mon avis, tu me dois 400 points de faveur. Tu me dois 98 points de faveur, Portugal. Bon, bah, tu m'en dois plein aussi, hein. Je te dois de la faveur, moi, du coup. J'avais de la faveur à plus savoir quoi en faire avec toi, donc je me suis. T'avais de la faveur parce que t'es venu dans la guerre contre le Mamelouk, c'est ça? Ouais. Ouais, je vais faire un report bug. Non, non, c'était sur la première guerre contre le Mamelouk, entre autres. Toutes les autres. Oui, c'est cela. Je reporte. Ah, tous ces bâtiments de chartes à construire, on n'en a jamais fini. Ah, tiling ! Pour la fin de l'épisode, je viens de franchir le cap des 200 par mois. Ah, bravo. Cool. Moi, j'ai le Brésil qui a de l'or maintenant. Ah, chouette alors. Ouais, je crois que tu les avais déjà en plus, espèce de menteur. Non, ils viennent de me dire que c'est. Non, pardon, je parlais de 200 de Sun. Ah, d'accord. Ouais, j'étais à 194, 196 à peu près avant, mais là ça a monté. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à aller voir la vue du signe et la vue d'Ardarine, de mettre des pouces, des commentaires, à linker tout, à encourager les gens à regarder la série, pour qu'on puisse continuer à tourner, et à tout de suite pour la suite. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.